Als maßgebliche Quelle gilt nach wie vor das Porträt von Jean-Marie Drou aus dem Jahre 1963. Ensemble, une fois encore, nous nous retrouvons dans un des ateliers du Montparnasse. Ici, derrière moi, depuis des années, vit et travaille Alberto Giacometti. Dire de Giacometti qu'il est peintre, sculpteur et dessinateur, ce n'est rien avoir dit. Parce que l'importance de Giacometti, elle est bien sûr dans la qualité exceptionnelle de son art, mais elle est peut-être encore plus encore dans la qualité exceptionnelle de l'homme, Giacometti. Je travaille tout le temps. C'est pas par volonté. C'est que j'arrive pas à décrocher. Alors je commence à... Il y a mon frère qui me pose à midi jusqu'à 1h30. Puis je travaille haute à ces choses-là. Puis je vais 1 heure à côté manger quelque chose. Et puis il y a ma femme qui me pose de 4h à... 3h30 jusqu'à la nuit, puis je recommence les mêmes choses. Plus ou moins, je vais boire un café, et puis à 9h, je recommence jusqu'à minuit. En apprenant la mort d'Alberto Giacometti, ce n'est pas à son œuvre, mais à lui-même que j'ai pensé. Et avec une tristesse d'autant plus grande que j'avais immédiatement le sentiment que lui parti, il y avait dans son œuvre, dans notre vie, dans le quartier de Montparnasse, dans Paris, il y avait comme un grand trou. Il y a des hommes qui sont tels que, eux disparus, les autres hommes se sentent frileux, perdus. C'est un peu tout à coup comme si on ne savait plus très bien comment se diriger. C'est un peu tout à coup comme si on avait perdu une présence fraternelle qui nous aidait bien au-delà du monde des arts, qui nous aidait, je crois, à mieux vivre, à mieux penser aussi, à penser plus juste. Alors, je ne sors plus jamais. Alors, je sors dîner, je suis à moitié crevé. On n'a pas d'appétit. Je traîne un peu, je bois du whisky et je rentre. Je suis obligé de me coucher, enfin, 3h du matin pour être à peu près debout le jour après. Alors ça fait une vie de forçat. Il suffit d'être venu quelquefois à Montparnasse, souper tard, très tard même, pour avoir aperçu Giacometti, pour le voir qui s'avance seul, la plupart du temps sur le boulevard, un peu titubant de fatigue car il a travaillé pendant des heures, tout de suite remarquable et inoubliable avec sa chevelure en broussaille, sa chevelure poivre et blanche, avec son visage fort, osseux, comme une sculpture. Il y a chez Giacometti, dans son acharnement à scruter ce qui se cache derrière et dans le visage humain, quelque chose justement qui ressemble à un voyage toujours recommencé. Et puis aussi, il y avait pour nous chez Giacometti la façon avec laquelle il se sert du langage. Je me rappelle à peu près exactement le jour en 45, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus des images sur l'écran, mais simplement des taches qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Comme si c'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment, j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais que
et ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ça n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. C'est pas? Au fond, je ne travaille que pour moi, pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois. Il y a chez Giacometti un amour pour le langage, pour la parole, pour la phrase, une volonté d'être clair et en même temps de ne rien trahir. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique en partie les amitiés de Giacometti pour les grands écrivains, pour un Jacques Prévert, pour un Jean-Paul Sartre, pour un Jean Genet. Si on se tourne maintenant vers les jeunes artistes qui vivent en ce moment à Montparnasse, on retrouve aussi pour Giacometti ce respect, cette sorte d'admiration qui vient sans doute que tous nous sentons bien qu'il y a chez lui une recherche authentique et une recherche acharnée que rien n'arrête. J'aime bien la tête de Giacometti. Mais quand vous venez par exemple à Montparnasse le soir et que vous voyez passer Giacometti, quelle impression ça vous fait? Une immense chaleur. Et je dois dire, d'abord, c'est un personnage qui est très émouvant et puis physiquement, qui est... c'est un monument. C'est un monument et qui laisse beaucoup de choses à son passage. Et le voir vous fait du bien? Ah, moi, le voir, ça m'apporte quelque chose. Ça, il n'y a pas de doute. Physiquement, moralement, je trouve que c'est un personnage qui est beau dans tous les sens du mot. Et j'imagine, Shirley, que ce visage de Giacometti vous aide un peu à vivre. C'est exact. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a les choses inexplicables, n'est-ce pas? Cette silhouette, c'est par exemple un Giacometti qui passe, avec lequel vous avez ce commerce d'œil qui fait que tout d'un coup, vous sentez qu'il vous accorde et qu'il vous autorise un moment qui fait que vous vous retrouvez sur un même terrain, dans un même langage, dans une même inquiétude surtout. Vous voulez dire que voir Giacometti simplement passer à Montparnasse... Non, bavarder. Oui, enfin passer, mais enfin c'est quand même passer ça. Oui. Car finalement, il ne vous accorde pas grand-chose, même en bavardant un peu avec vous. Si, énormément. Il y a des gens qui n'accordent rien. Il y a des grands qui n'accordent rien, mais il y a des grands qui accordent énormément, sans en avoir l'air. Lui, je le dis comme ça, je ne le connais pas plus que ça. Mais je sais qu'il accorde, car j'ai eu un don de Giacometti un jour. Un don parlé. Un don senti, qui est encore mieux que parler. Oui, mais je crois que ça vient beaucoup, cela, de ce que ça porte. De ce que Giacometti est peut-être, d'une certaine manière... Un personnage... La dernière silhouette, si vous voulez. La dernière silhouette qui passe dans Montparnasse et qui la traverse d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, pour revenir enfin... en cet atelier de la rue Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement. Y pénétrant à notre tour, il est difficile de ne pas penser à une grotte, à un terrier, à une cache que protégerait cette sorte de veilleur. Cette grande divinité blanche en plâtre. En entrant dans votre atelier, on est à la fois gêné et rassuré. Gêné parce qu'on a peur de vous déranger. On sent bien que c'est l'atelier de quelqu'un qui se cache un peu. Et puis rassuré parce que comme vous continuez à travailler, même devant nous, alors ça nous rassure un peu. Ben, je me cache pas. Je me cache pas particulièrement, non. Et pour ceux qui ont de travailler devant vous, j'en profite, et ça me profite autant plus que je reprends un travail que je n'aurais pas repris depuis, peut-être pendant longtemps, non? Je ne sais pas pourquoi, à cause de la mise en scène, hein, ça me ramène à ce travail dont ça me profite. C'est moi qui en profite le plus, en tout cas, hein, de la séance. C'est un peu un jeu de patience, non? Quoi? Votre travail. Non. À vous voir. Patience. Non, pas du tout. C'est plutôt de la manie. De la manie. C'est plutôt maniaque.
je crois, plutôt maniaque de la patience. Enfin, ça n'est pas volontaire. C'est malgré moi. Et je me demande si, sous prétexte de travailler, ça n'est pas simplement une certaine manie qu'on a. Hein. Comme d'autres manies, de tripoter de la terre. Sans que ça donne d'ailleurs beaucoup de résultats. Où le résultat est presque secondaire, enfin. Puis ça n'est pas comme ça quand même. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce n'est pas comme ça quand même? Oui, c'est de la manie. Mais en même temps, il y a quand même la volonté d'arriver à quelque chose plutôt pour s'en défaire. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir. Pour en finir avec la sculpture, au plus vite. Mais cependant, vous recommencez toujours. Ben, puisque je n'arrive pas à la commencer. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais commencé, en fait. Hein? Je n'ai jamais touché, au fond. Alors, une fois qu'elle serait commencée, elle serait pratiquement finie, je crois. Et je ne voudrais pas se passer toute la vie, hélas, ça va être ça, en faisant de la sculpture. Parce qu'enfin, j'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'est exactement le domaine où j'y comprenais le moins. Alors, en fait, il fallait passer outre et faire autre chose qui me convenait mieux. Je ne pouvais pas supporter ce domaine qui m'échappait complètement. Donc, il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en débarrasser. Hein? J'espérais d'en comprendre assez vite, assez, pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Enfin, ce n'est pas... Il n'y a pas de choix. Donc pour vous, c'est jamais le sentiment d'une réussite. Il ne peut pas y avoir une réussite parce que réellement, ce que ça peut être aujourd'hui la sculpture et à quoi elle peut correspondre, je n'en sais encore rien. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés. Parfaitement ratés. Quoi, des recherches de... Ça n'était pas faire de la sculpture, c'était tâter le terrain pour trouver où on pourrait bien en faire. Mais cependant, Giacometti, quand on vous regarde travailler, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de jeu entre vos mains et vos yeux, un jeu continuel. L'un surveille l'autre. Oui. Est-ce que c'est l'œil qui surveille la main ou... Ou la main qui surveille ou, l'œil. Non, ou l'œil qui suit la main, simplement. Il y a des deux, hein? Il y a des deux, puis en même temps, on a l'impression que vous savez précisément où vous allez. Ben non, je ne sais pas du tout. Je sais. C'est complètement contradictoire. Je sais vaguement ce que je voudrais arriver à faire. Vous visez donc quelque chose. Oui. Et alors, au fond, j'y vais sans... En même temps, sans réfléchir. Non? Oui, ça donne l'impression d'un geste instinctif. Ben oui, presque mécanique. Oui, je sais... Je sais à peu près ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir accrocher ma figure. Et alors, il faut toujours aller de haut en bas, de bas en haut, non? Regarder l'ensemble, puis il faudrait finir par se fixer sur un détail, sur un petit détail, et arriver à trouver une solution. Mais enfin, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé. Et en fait, je ne suis peut-être pas sculpteur du tout. J'ai l'impression que je n'ai pas le sentiment des volumes, non? Quand je regarde cette figure en face, ça m'est difficile de l'imaginer de profil ou derrière. Quand je regarde de profil, j'oublie la face. Donc ça m'est très difficile de voir un objet dans l'espace. Hein? C'est-à-dire que la sculpture, au fond, la sculpture occidentale, gréco-romaine, disons, depuis toujours, qui veut faire une tête telle qu'elle est, ou voudrait faire telle qu'elle est, c'est la sculpture la plus abstraite et la plus construite
la sculpture nègre, où on fait des grandes têtes plates, elle est beaucoup plus près, ou océanienne, plus près de la vision qu'on a réellement du monde, hein, que la sculpture gréco-romaine. Mais on a fait, on a renversé la chose, on s'imagine qu'une tête ressemble surtout à une sculpture gréco-romaine, et que la sculpture d'Afrique ou océanienne est inventée de toutes pièces. Hein? Là, je me perds, d'ailleurs. Je ne sais plus où, pourquoi je dis ça et où je commençais. Hein? Mais quand vous faites un dessin, on a aussi l'impression que vous cherchez à savoir ce qui se cache dans la tête que vous dessinez. Non, le problème, c'est le même. Il y a une différence si je travaille à mémoire comme maintenant ou si je travaille de prénature. On a quand même l'impression, si vous voulez, que votre modèle n'est pas seulement une coquille. Ben non, je ne regarde que l'apparence, en fait. Mais pour saisir l'apparence, il y a quand même toute une construction, une structure. Je ne peux pas dessiner vos yeux et votre bouche, le visage, ce qui frappe dans la vie réelle. Je ne peux pas les mettre en place de dessiner sans arriver à toucher un peu à la structure de tout le crâne. Il faudrait presque deviner à travers la surface, deviner la structure du crâne, voir le crâne. C'est ça qu'on voit d'ailleurs. Hein? Et en même temps, savoir à qui vous avez affaire, ou non. Ben, ça, c'est tellement... Je vous connais. Enfin, d'abord, je ne reconnais plus personne. Je mélange tout le monde, je fais des confusions abominables. Mais ça dit, quand je vous vois, je vous reconnais, mais je ne sais pas à quoi, en fait. Je serais totalement capable de vous dessiner en mémoire. Malgré que je vous ai vu plusieurs fois, non? Différentes fois. Il y en a. Picasso, par exemple, il a un génie de voir le caractéristique de chaque tête, de chaque bête, non? Moi, pas du tout. C'est-à-dire, je vous reconnais, je ne sais pas à quoi, mais si vous me posez... Après 5 minutes que vous me posez, vous devenez pour moi un inconnu total. C'est-à-dire, vous n'êtes plus du tout la personne que je croyais connaître, non? Et en même temps, elle est parfaitement inconnue. Non, elle devient parfaitement inconnue. Je ne sais plus à qui j'ai affaire. Donc, vous n'avez plus aucune caractéristique particulière. Puisque vous avez tendance à devenir, en tant que particulier, la tête générale, la tête de tout le monde, non? Et en même temps, parfaitement inconnu. Ce qui vous fait un drôle d'effet, parce que ça arrive avec les personnes les plus familières, ça arrive avec ma femme. Je finis par plus la reconnaître. Mais ça... Le mal, c'est que ça se répercute sur la vie. Les Blancs, les gens, la race à laquelle j'appartiens, je les vois, j'ai l'impression que je finis par les voir comme on voit les Chinois ou les Noirs, non? Vous faites défiler 10 Chinois, puis un, puis vous ne savez pas lequel c'est. Hein? Moi, à force de travailler dans ce sens, ça m'arrive un peu maintenant avec tout le monde, ce qui peut être très gênant. C'est-à-dire que chacun devient tout le monde. Chacun devient tout le monde, oui. Tout en restant particulier. Mais le particulier devient un inconnu. Enfin, ça devient une espèce de... J'ai l'impression qu'on s'embrouille dans une espèce de... Qu'est-ce qu'on peut dire ? De spirale. D'ailleurs, quand on passe d'un de vos dessins à un autre, on a la curieuse impression de ne pas avoir quitté le premier dessin. On a l'impression que tout ça communique. Ben, c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Non, je pourrais très bien passer à toute ma vie, enfin, avoir le même modèle tous les jours et ne voir que la même personne. Hein? Ce que j'ai fait, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Mon frère, il m'a posé tous les jours de 35 à 40. Tous les jours, un modèle en même temps. Il y a un ami qui me posait pendant 3 ans, tous les étés, toute la journée. C'est-à-dire, je ne voyais que lui. Et j'ai un modèle qui me pose le soir, que vous avez vu là, qui me pose maintenant depuis 2 ans et demi, régulièrement. Il est là à 9h, jusqu'à minuit, 1h. Je crois, en 2 ans, il y a eu peut-être 4 soirs ou 5 où on n'a pas travaillé. Mais je ne fais que commencer. C'est comme si la réalité était cachée sous des rideaux, hein, que vous enlevez peu à peu, non? Il y en a toujours un autre. C'est comme un oignon qu'on épluche. Exactement.
Et on n'arrive jamais à la... Qu'est-ce qu'on peut dire? Au corps de l'oignon. Au cœur de l'oignon. Jamais. Nous en étions là de notre dialogue avec Giacometti lorsque nous eûmes la possibilité de partir pour Zurich et de voir dans le musée de cette ville une des plus belles expositions de ses œuvres. Là, soudain, il fallait se taire et voir, s'approcher et confronter les formes de sa sculpture aux souvenirs très vifs que nous gardions de ses confidences. Giacometti, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris, vous étiez en train de fabriquer la sculpture. Aujourd'hui, à Zurich, vous êtes un peu comme un berger qui voit tout son troupeau. Il y en a partout. Quelle impression cela vous fait-il? Hier, en revoyant l'exposition, je trouvais tout ça très, très joli. Momentanément, en tout cas. Trop beau. Alors, ça m'inquiète un peu. Et pourquoi donc? Parce que si vraiment je resterais aussi content que j'étais hier, ça voudrait dire, en contradiction avec ce que je pense en général, non? Ou que je n'ai plus de jugement critique, ou que je suis tombé en tel état, hein, qu'il ne me reste plus rien à faire. Ben, c'est un peu quand même toute votre vie là, que vous voyez en une salle. Ben oui, mais c'est... Enfin, d'une certaine manière, ça n'a pas commencé. D'une certaine manière, ça n'a pas encore commencé. Phrase énigmatique pour qui regarde une si grande profusion d'œuvres, modestie, pessimisme, humour, peut-être les trois à la fois.
Historiquement, chronologiquement, feuilletant le catalogue, nous savions que ces sculptures-là, par exemple, elles nous ramenaient à l'époque surréaliste de Giacometti. Peu de temps après son arrivée dans les heures chaudes du Montparnasse, des années 1920-1925. Quand je suis arrivé, c'était au fond la fin. Et puis en plus, pour un étranger, il n'y a rien plus difficile que d'entrer en contact avec des Français, n'est-ce pas? C'est un mur. Je suis arrivé à Paris, j'ai connu ce qui était la Grande Chaumière, c'est-à-dire c'était uniquement des étrangers, sauf un Français, hein? D'ailleurs on voyait très peu. Et j'étais jusqu'à vers 30, sans connaître un Français. Hein? Oui, 28, 27-28 et encore. Hein? C'est comme un mur. Alors, on est un peu là, tout en étant comme dans un parquet ailleurs, non? Alors j'ai commencé par voir des Yougoslaves, parce qu'ils travaillaient ensemble à la Chaumière, après des Suédois, enfin j'ai vu, sans avoir tellement de contacts. En fait, je me sentais très seul. Hein? Je ne me plaignais pas, c'était très agréable. Et puis quand j'ai connu, par ce que je faisais, je sais, j'ai connu Masson à une exposition, le jour même, j'ai connu une bonne partie de mes amis qui sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire Masson, Bataille, Léris, Desnos et Queneau et beaucoup d'autres. C'est pas? Et du coup, c'est comme si j'avais toujours été là. C'est pas? Au fond, même la vie avec les gens d'ici, ça a commencé autour de 28-30, n'est-ce pas? C'était l'épopée surréaliste, ça. C'était déjà la fin, au fond. Moi, j'avais envie de le connaître, d'ailleurs. C'est les gens qui m'intéressaient le plus à l'époque, nettement. Et puis, j'avais fait des sculptures mobiles, des constructions en bois, enfin. J'avais exposé, d'ailleurs, déjà avec Maxence, des arts, la galerie chez Pierre. Et c'est Breton et Dali qui les ont vus et qui considéraient que c'était bel et bien de la sculpture surréaliste, non? Et il n'est peut-être pas de meilleur exemple de la sculpture de cette époque que celle-ci, qui se nomme l'objet invisible. En même temps, il y avait beaucoup de choses qui m'éloignaient. Si vous voulez, je n'étais jamais totalement... intégré. Intégré, c'est pas? D'ailleurs, ça a éclaté... vite. Très vite. D'ailleurs, un des motifs qui m'avait approché le plus, c'était pas tellement l'activité surréaliste que leur position politique à l'époque. Et alors, quand Aragon a quitté, j'avais quitté pour la première fois en même temps, c'est pas? Parce que la position d'Aragon m'intéressait davantage. Hein? Et puis, il m'était nécessaire de faire une étude d'après nature. Et je croyais de prendre un modèle, de travailler 8 jours, de comprendre assez de quoi il s'agit, pour faire des compositions, n'est-ce pas? Quand j'ai fait cela, les surréalistes ont considéré ça comme une activité totalement réactionnaire, traître et tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Là, c'était la brisure complète. Hein? Le procès. Hein? Et alors, à partir de là, ma recherche était tellement autre qu'il n'y avait plus évidemment aucun motif de groupe, d'appartenir à un groupe. Ce qui frappe Giacometti dans une telle exposition, à notre époque, c'est votre obsession du visage, votre obsession de la figure humaine. C'est plutôt rare aujourd'hui. Peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'obsession? Enfin, toujours, depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Au point que je me rappelle, étant jeune homme ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je ne connaissais pas, juste que ça les mettait hors d'eux, n'est-ce pas? Comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir. Comme si tout était tellement trouble, c'est pas, qu'on n'arrive pas,
à déchiffrer ce qu'on veut voir, ce qu'on voit. Mais vous dites déchiffrer, c'est bien là justement où je crois que l'obsession se manifeste. C'est qu'on sent très très bien dans votre façon de représenter le visage que vous cherchez tout le temps à le déchiffrer. Et enfin, depuis le début, c'est ça qui m'intéressait le plus. Mais en 25, pour dire ça de manière très courte, n'est-ce pas, j'étais persuadé de l'impossibilité totale de donner, même approximativement, la vision que j'avais d'une tête. Et j'abandonnais, et je pensais pour toujours. Et puis, malgré moi, partout, j'étais bel et bien amené à recommencer le même travail vers 35. Et depuis, ce n'est qu'un long exercice pour tâcher de savoir ce que je vois. Donc, pour moi, la figure humaine n'est pas un prétexte pour faire une belle peinture ou une belle sculpture, mais la toile ou la matière ne sont que des moyens pour tâcher de mieux me rendre compte de ce que je vois. Ce n'est que le sujet qui compte. Vous n'y mettez, par exemple, aucune intention psychologique ou philosophique? Absolument aucune. Pour moi, il ne s'agit que de tâcher de voir comme la tête se tient dans l'espace. Donc, je ne pense ni à l'intérieur de la personne, ni à sa personnalité. C'est entendu que ça compte, mais ça ne peut pas compter pour moi pendant le travail. Il ne s'agit que de mettre les choses à peu près en place. Pour moi, l'apparence et le noyau, c'est la même chose, non? On pourrait même dire que l'apparence est le noyau lui-même. On pourrait dire aussi que l'intérieur et l'extérieur, pour vous, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. On pourrait dire aussi que votre recherche ou votre aventure est très particulière, à un moment où la peinture de plus en plus devient une recherche de forme, une recherche de tâches. Oui, mais elle ne pourrait être aujourd'hui qu'une recherche de forme et de tâches, je crois, dans l'ensemble. À partir de l'impressionnisme, on va droit jusqu'au tachisme à l'informel. Il n'y a pas de discontinuité. Et ça pour de multiples motifs. Et moi, je me trouve être absolument en opposition, n'est-ce pas, avec toute cette vision. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de faire des belles sculptures ou des belles peintures, ou de m'exprimer mon affectivité, ma personnalité à travers la peinture ou à travers l'art. Pour moi, l'art n'est qu'un moyen de tâcher de savoir comme je vois le monde extérieur. Donc, pour moi, c'est le sujet bel et bien qui compte, n'est-ce pas? Et cependant, vous comprenez fort bien que la peinture autour de vous ait subi l'évolution qu'elle subit. Oui, elle ne pourrait pas ne pas subir cette évolution-là, n'est-ce pas? À cause de la photographie, elle arrivait forcément jusqu'à là. Ça, à cause de toute espèce de choses qui se sont passées à peu près à la même époque. L'impressionnisme, Cézanne, qui pensait qu'il serait catastrophique pour l'avenir, à travers surtout, je pense, la découverte de la photographie et du cinéma, la télévision. Et à travers et à cause de la découverte des arts archaïques et exotique. C'est pas... Tout ça a entraîné une espèce de dévalorisation du monde extérieur, où on croit tellement à la vérité de la présentation photographique qu'on pense que ça n'est plus nécessaire de faire de la peinture. C'est tellement net qu'à partir de ce moment-là, déjà les impressionnistes ne faisaient presque plus que des paysages. C'est pas... Et de plus en plus, on a laissé de côté toute présentation du monde extérieur. Tout le monde est à peu près d'accord que la photographie donne une image suffisante du monde extérieur. Moi, je n'ai pu recommencer à travailler d'après nature que le jour où il y a eu une espèce de nouvelle vision du monde extérieur, où je n'ai plus cru à la vision photographique.
Giacometti, on a aussi un peu l'impression que vos personnages sont très fragiles, très vulnérables. Quoi, spécialement ceux-là que vous venez de... Menacés, presque. Oui. Ben, peut-être. Ils sont... C'est peut-être par là qu'ils seraient un petit peu ressemblants. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non ? Des êtres vivants. Comme si ils devaient faire. À chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Ça, je le ressens chaque fois que je travaille d'après nature. Ce qui est aussi une façon de dire que vous les sentez menacés par la mort, par exemple. Ben oui, évidemment. C'est la seule menace, en fait, non ? De la disparition. Mais d'ailleurs, ce matin, vous me racontiez que un jour, vous avez vu cela de vous-même, mais ça a été quelque chose de brutal. Je pense que cette aventure que je vous ai racontée ce matin, qui joue un rôle... déterminant. Qui a un très grand rôle là-dedans, non ? Probablement. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce que vous me disiez. Vous me disiez, pour vous, jusque-là, la mort, c'était quelque chose qui se produisait avec solennité. Oui, je l'avais jamais vu. Et puis, la voyant, vous avez vu que c'était quelque chose de terrible. N'est-ce pas, je n'avais pas le sentiment, jusqu'à là, de cette fragilité. Parce que les peu de cas de mort que je connaissais, ça avait l'air de se passer. Enfin, je n'avais jamais réellement vu de près. Hein. Donc, comme si la vie avait beaucoup plus de... que ce qu'on peut dire de force ou de persistance ou permanence, non, je ne trouve pas le mot exact. Mais enfin, comme si la mort était quelque chose de, oui, encore valorisant la vie, lui donnant un petit côté même solennel, non ? Comme si on avait le temps de s'y préparer. Et quand j'ai constaté comment cela se pouvait se passer, à l'instant même, tout, du moment que j'ai vu de la manière dont cette personne est morte, non ? L'instant même, tout était aussi menacé, n'est-ce pas ? J'aurais ressenti à un tel point que la nuit même, je n'osais plus m'endormir. Où je m'endormais, je me retrouvais la bouche ouverte, n'est-ce pas ? Comme le mourant. Alors, par une espèce de terreur, je secouais la tête, je me réveillais et je faisais tout pour ne plus dormir. Et c'est de là que je n'osais plus être dans le noir. Comme je vous ai dit ce matin, depuis ça fait 40 ans de là, je n'ai plus jamais dormi une seule nuit dans le noir. C'est-à-dire que j'ai toujours la lumière jusqu'au jour. Comme si le noir, c'est enfantin, bien entendu, n'est-ce pas ? C'est très bien qu'on n'est pas plus menacé dans le noir qu'en plein soleil. Mais on peut se demander aussi, Giacometti, si finalement votre rôle de sculpteur, de peintre, d'artiste, ce n'est pas justement d'essayer de sauver. De sauver le modèle de cette mort qu'il menace. Ben, d'une certaine manière, je crois que qu'on fasse de la sculpture ou de la peinture ou qu'on écrive ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non ? Ce qui fait que finalement, vous ne cherchez pas seulement à voir ce que vous voyez, mais vous cherchez aussi à donner à ce que vous voyez une sorte de permanence, une sorte d'éternité presque. À la base, c'est sûrement ça. Mais comme... Oui, le moteur pour quoi on travaille, c'est sûrement pour donner de la permanence à ceux qui passent. Donner de la permanence à ceux qui passent. Cette phrase, tout à coup, nous offre la clé pour nous approcher de ces natures mortes aux pommes. Peu à peu,
il devient évident que Giacometti a peint ses fruits exactement comme il peint le visage humain, avec la même volonté de suspendre l'usure du temps, avec le même désir volontaire de nous donner une représentation d'un monde extérieur que son regard sauve en quelque sorte du pourrissement et de la mort. Un peu comme si la touche de son pinceau transformait l'objet si fragile en un bronze inaltérable. C'est pour ça qu'on peut faire des sculptures des personnages ou des bêtes, on fait difficilement la sculpture d'un caillou. Même si un caillou passe exactement comme une personne, non ? Et puis le lendemain. Enfin. Mais même si c'est là le moteur profond, je pense que ça l'est bel et bien pour tout le monde qui agit, mais pas seulement qui fait de la sculpture ou qui fait de l'art, même pour tous ceux qui parlent et qui racontent une histoire. Tout le monde a le besoin, admettons qu'il fasse un voyage ou qu'il passe une soirée avec quelqu'un ou un autre, de le raconter. C'est pas, le fait de le raconter, c'est déjà de le recréer. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, tout le monde fait de l'art, non ? Réinvente les histoires. Si le besoin de garder les choses est plus grand, c'est-à-dire qu'on est plus sensible à la fragilité, on est obligé de l'écrire. Selon, on l'écrit, on fait des peintures ou de la musique ou n'importe quoi. Mais enfin, le fait déjà de raconter, c'est lui donner vraiment la réalité. On passe la journée à recréer les moindres moments. C'est-à-dire qu'il fait beau temps, ce jambon est bon, enfin, t'as une mauvaise mine, enfin... C'est pour ça que vous êtes un peintre de la mémoire aussi. Ben, et puis alors, il y a le cas formidable, c'est de tous les grands chefs d'armée, que ce soit César ou Napoléon ou d'autres, ça ne leur suffit pas de faire des batailles, de gagner des batailles, d'agir dans la vie, de bouleverser le monde. Dès qu'ils peuvent, ils écrivent leur mémoire, comme si ils avaient peur que s'ils n'écrivent pas, tout ça passe à l'oubli. Et ne soit pas produit. Juste César, il existe plus à travers la guerre de Gaulle, non ? Que par ses actes. Dire le besoin, c'est sûrement toujours de donner de la permanence à l'existence. Mais pour moi, la question ne se pose plus, parce que ça donnait. J'essaie à faire une tête, c'est entendu le... Quand on l'a fait. Mais alors, la difficulté de l'affaire prend la première place. Donc, il ne s'agit plus de faire la sculpture pour donner une permanence à une tête. Il s'agit d'essayer simplement de pouvoir la faire. Alors, c'est évident qu'il y a même là un malentendu entre le travail que je fais et celui qui regarde. Même si moi j'abandonne une chose, je l'abandonne toujours d'ailleurs, à demi-chemin, ou un quart de chemin, ou un millième de chemin, pour n'importe quel motif extérieur, du moment que je la laisse exister, ou je la laisse fondre, ou je l'expose, pour celui qui regarde, c'est bel et bien une chose finie, c'est pas ? Je ne peux pas aller et dire, mais non, c'est pas ça, c'est pas fini, alors je n'ai que pas exposé. Donc, la manière de... Je ne peux pas voir les choses de la même manière que le regard celui, le spectateur. C'est là où tout n'est que malentendu et... Encore que regardant vos hommes debout, enfin vos grandes figures, qui sont les dernières choses que vous avez faites, on a quand même bien l'impression tout à coup d'un espèce de triomphe, enfin, sur le temps. C'est l'homme debout qui ne vacille pas, qui ne tremble pas, qui n'est pas menacé. Ça, comment peut-on répondre ? Comment peut-on répondre ? Peut-être par ces toiles, qui en fin de course nous en disent plus encore dans leur silence obstiné. Ce silence tranquille du frère Diego, que la main d'Alberto Giacometti suspend, comme par miracle, hors du temps mortel. Dès lors, chaque peinture, chaque ligne, chaque trait, chaque hachure, deviennent les éléments d'une armure infaillible.
comme dans les gravures de Rembrandt, comme chez tous les artistes qui furent hantés dans leur œuvre par la fuite du temps, une fois de plus, face à ces toiles de Giacometti, on se demande si l'une des tâches les plus hautes de l'art ne serait pas justement de rendre immortel et durable ce qui par nature est éphémère, mortel et fragile. Voyant maintenant l'ensemble de l'exposition, nous comprenons pourquoi il faut du temps, beaucoup de temps, pour suivre un homme comme Giacometti, pour ne pas déformer ou trahir sa pensée ou son œuvre. Car il nous précède de si loin que, traversant une fois encore cette longue salle peuplée de ces créatures, nous avons soudain l'impression que Giacometti est passé là, il y a des années et des années. Et maintenant, Giacometti, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Dans quel sens? Bien, je crois qu'il serait un peu faux à la fin de cette rencontre, de donner l'impression que tout est terminé. Tout commence, d'une certaine façon. Ben oui, plutôt. C'est bien votre sentiment, je vous ai bien compris. Ah non, non, c'est évidemment, le seul désir que j'ai, c'est de tout recommencer au plus vite. J'ai passé cet après-midi. C'est très utile de faire une exposition comme celle-ci. C'est comme pour mettre un trait dessous, non? Passer, fini, on ne s'en occupe plus et pouvoir commencer plus librement. Et vous me disiez, pour vous, c'est un peu comme si vous regardiez sur la carte où vous en êtes. Comment sur la carte? Sur une carte, quand on fait un voyage, on regarde où... Oui, c'est plutôt dans le temps. Vous sentez ça plutôt dans le temps, hein? Et alors, il y a deux têtes en bas, un plâtre, qui sont vraiment arrêtées à cause de l'exposition, jour, malgré moi, et c'est là où il faut recommencer. Mais enfin, pour moi, une fois de plus, tout ça, ce n'est que des esquisses et des essais. D'ailleurs, ça ne sera jamais que ça. Et cependant, vous sentez la nécessité de toujours continuer. Puisque je ne comprends rien. Alors on croit toujours qu'on comprend un petit peu plus, c'est ça qui vous fait courir. C'est comme le sucre devant un cheval, non? Il a toujours l'illusion d'avancer. Et puis on a l'impression toujours de l'urgence du temps. Trop de choses à faire. On voudrait arriver quand même à comprendre quelque chose. Donc j'ai plus que jamais envie de travailler. Après, à part ça, ce que ça donnera pas beaucoup plus que... Non, mais tout de même, ça pourrait commencer assez différent de tout ça. De tout ce que j'ai fait. Vous croyez? Ah oui. Ça, j'en suis presque persuadé. Cette exposition... Parce que d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je crois. Et puis, je répète toujours les mêmes choses. Rigoureusement, toujours les mêmes phrases. Que... Tout ça, ce n'est qu'un tâtonnement autour de la sculpture. Mais que je suis persuadé que la sculpture est quand même tout à fait autre chose. Qu'il faudrait entreprendre la matière tout à fait d'une autre manière, et les formes, n'est-ce pas? Que à côté de ce qui pourrait être vraiment un peu une sculpture, tout ça ne ferait que de l'effet que d'une ferraille un peu informe, difforme. Mais peut-être je m'illusionne complètement. Hein? Mais ça n'a pas d'importance si je m'illusionne. Pour savoir si c'est une illusion ou pas, il faut essayer. Donc il faut courir. Ce qui fait qu'en vous quittant, on a presque envie de vous dire bon voyage. Pourquoi bon voyage? Parce qu'on sent bien que ça va continuer. Ben, vous trouvez que c'est drôle?